Ah! Bonsoir et bienvenue dans la suite de l'oracle des saisons. On était au... C'est le quatrième donjon, il me semble. Je vais faire ça, je vais tomber. Non. Oh. Le donjon dragon dansant. J'ai plus de bouclier. Parce que je me l'étais fait bouffer, c'est vrai ça, c'est dommage. C'est bien ballot. It's gonna be just fine. J'espère que le son est bon. Si ça ne l'est pas, veuillez le dire dans les commentaires de la VOD. Let's go. Je sais plus s'il tire quelque chose. Il ne me rappelle plus. Ça, c'est pas juste. Voilà. Oh, c'est faux! C'est faux! Maintenant, on a la technologie pour ouvrir les coffres depuis le côté. des bombes, why not? Des bombes. Vous voyez que des bombes, généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la salle. Il vient pas cette fois. Faudrait que j'aille voir le marchand un jour. Il a pas une poche de bombes... Merde. Plus grande. Faudrait que j'aille. J'aille le revoir parce que... J'ai bientôt atteint le... Le max pognon, de toute façon, alors... Ah oui, il tire des trucs. C'est bien ce qui me semblait. Ah oui, là, faut pas faire le con. Comment je fais pour pas faire le con? Mais non, c'est parce que moi, je peux prendre la place d'un pot. C'est ça. Hé. Enfoui dans l'eau. Ah. Pourquoi je peux plus bouger? Ah. Oh, c'est quoi ça? C'est quel con. C'est
quoi par là? Au final, ouais. C'est du pareil au même. La carte du donjon. Oh, on est joueur chez Nintendo. Techniquement, c'est Capcom qui l'a fait celui-là. Non, je sais plus. Ah, mais c'est encore. Ah oh. Ou pas. Est-ce que Nintendo n'est pas Capcom et inversement hein. Après tout. Le mec, il dit que de la merde. Yes. Ah. Oh là. Voilà. 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 Je crois que j'ai été très mal par. Non. Ah. Ça passe. Ah. Je vais y arriver. On doit être bon. Parcours. Une autre clé, c'est bien, j'ai deux clés mais j'ai pas où les droits. En vrai ça sert à rien et d'allumer le truc, tu vois. Non, mais je dis ça et je tombe bien sûr. Bon bah d'accord, ok. Why not, hein? Oula. Oula là. Ouais. Ça passe. Ça passe. D'une certaine manière. Là, je peux pas passer. Non, là il y a un bloc. Je suis bloqué. C'est où que sexy qu'il faut aller? Je retourne à l'entrée. Ah putain, et ça c'est verrouillé à cause de ces connards. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Ah c'est marrant ça. Ils aiment pas trop se prendre des... Ah voilà. Je disais bien que c'était un pont de merde. Enfin, un trou. Ouais. Un piège, quoi. Une invention de Satan. Ouais. J'adore tellement la musique de jeu. Bah, à droite, j'imagine. Hein. On a fait quand même pas mal de tout ce qui était à gauche. Merde. Ah! Je me fais maîtriser. Je sais pas pourquoi j'ai retiré mon boomerang par contre. No idea. Mais il y avait un truc en haut. Mais il y a quoi à droite? La boussole? Ouais, ça sent bien la boussole tout ça. Ah
Aya. Oh, bah dis donc. Ah ouais, je m'en sers tellement jamais. C'est pas comme si les maps comme ça étaient très utiles. Ou alors c'est juste que j'ai jamais su l'aider, hein. Putain. Non, faut plonger comme ça. Chenapan! Mais j'ai plus de bouclier! Je crois que j'allais tomber à cause de la chauve-souris, du coup. Je me suis laissé mourir. Ah. Si y a le hibou, ça veut dire qu'on arrive au mini-boss. Celui qui va vite parcourt de longue distance. Ah non, c'est juste pour me dire d'utiliser les graines Pégase en même temps que ma plume pour sauter plus loin. Voilà. Et bizarrement, on trouve des graines Pégase dans ces pots. Étrangement, me direz-vous. Shit. Voilà. Oui. 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 Ah. Ah mais ok, je vais avoir le lance-graine. C'est ici qu'on a le lance-graine. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh, tu me vends un bouclier? Salutations, voici le deal 10 graines braises pour 20 rubis. Si tu veux, mais... Ah, du coup, c'est dans ce coffre. Ah bon, c'est une clé. Ce letdown. Normalement, avec le boomerang, on peut ramasser les oeufs. Voilà. Bah là, je veux pas ramasser l'objet, parce que du coup, je l'ai pas fait tomber. Et... Poup, 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 poup. Comme dirait la musique. Le mec, il saute n'importe quoi. N'importe comment... Peux-tu voir ma terrible puissance? Ma puissance! Mais si, regarde. Et là, du coup, faut taper celui dont on voit l'ombre. Merde. Voilà. C'est celui qui a une ombre. Oh, mais... Ok, je fais Ken. J'ai même pas de bouclier en plus. J'aurais dû laisser tourner la cinématique. Ah, je suis trop lent. Je vais pas du tout le toucher. Alors faut le faire à la bombe. Ah, faut le faire à la bombe. Et celui qui est en bas. Ah. Est-ce que ça le touche? Ah, beaucoup trop loin. Bon, on savait qu'on allait perdre de toute façon. Ah, faut retourner là-bas par contre. Ah, c'est ça qui est chiant. Ça m'étonne qu'on puisse pas le toucher à l'épée quand même. Je suis débilatif.
Merde. Oh bah. Quel beau lancer, dis donc. Ouais. Ah, mais merde. Oups. Ah, mais... Putain, ça fait lâcher le pot en plus. Ah! Mais... Bordel de bite. Ah. Putain, et là j'ai niqué toute ma vie à cause de ça. Mais quoi? Ça va pas toucher? Mais qu'est-ce qu'on se fout de ma gueule? Ah mais... Est-ce que le fait de pas avoir de bouclier, c'est un vrai problème? Je pense. Ah mais du moins que c'est pas allumé, ça le touche pas! Mais niquez-vous! Oh! Genre là, je fais ça, mais ça va pas le toucher. Parce que c'était pas allumé, lol! J'ai un demi-cœur, yes. Ah. Meurs. Bonsoir Garen. T'as fait. T'as fait. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une bombe ne fasse pas de dégâts si t'as pas allumé la lumière? Comme si tu jetais dans une grenade dans une pièce où la lumière n'est pas allumée, bah du coup ça fait rien. y a pas quelques bombes. Les os, je me suis assuré quelques minutes pour. Setup la tête de mon salon. Ah, pour ce setup. Ah, ok, oula. Moi qui sais pas lire. La magnifique figure. Ce que tu cherches est dans l'œil. La pupille. Ah, merde, c'est pas le père Fouras. Et du coup, est-ce que tu juges. Est-ce que tu as entendu ma question sur qui parlait de grenade et de. Truc normal quoi. Pourquoi ça s'ouvre pas ça? Oh. Va falloir sauter. Non. Trouve cet homme parmi les grains de café. Mais non, mais je disais que du coup on peut pas qu'on pouvait pas toucher le boss, les bombes ne faisaient pas de dégâts au boss du moment que on n'avait pas allumé la lumière. Et du coup c'est pas normal. C'était comme si tu jetais
une grenade dans une pièce et que ça faisait pas de dégâts, ça avait pas allumé la lumière. Est-ce que je peux les geler? Ah, je peux pas les geler. Et j'aime pas que mon inventaire soit mal rangé comme ça. Voilà. Non! C'est pourtant logique. Ah non! Ah! Il m'a poussé. Je suis vraiment une merde en fait quand je me rends compte. Je sais pas jouer. J'ai pas mes gamer skills sur Zelda Game Boy. Y'a pas une petite pièce secrète ici? Non, même pas. Oh. Ouais, c'est combien de bombes? 5. Ah, ça c'est laser. J'ai une clé. Qu'est-ce qu'il a à me dire, Jean-Claude? Bonsoir. Putain, pourquoi? C'est pas la bonne graine. Encore, regardez. Il est passé trop vite le texte. Encore, regardez, regarde avec des yeux non gardés. D'accord. Mais ce que tu veux me dire, c'est que j'ai pas encore le lance-graine. C'est surtout ça, je pense. Que du coup, là, ça doit certainement être la salle juste avant le boss. Mais que du coup, j'aurais pas déjà dû détourner le train, le petit train. Je pense que c'est ça qu'il essayait de me dire, le hibou. Mais il avait pas assez de place dans sa case de dialogue. Ah, c'est malheureux. Rendez la parole au hibou. Falloir le lance-pierre là par contre. Oh non, me dis pas que je me suis niqué parce que j'ai utilisé la clé là où il fallait pas. Non, normalement tu peux. Normalement t'as pas. Si les donjons sont bien faits, t'as pas moyen de perdre. Bon, par contre, il commence à me faire chier. Si c'est bien fait, là ça va me lâcher une clé. Est-ce que je viens de me softlock? Parce que j'ai mal routé le donjon. Non. Ah non, je suis pas allé à droite. Si, j'étais allé à droite. Non, je sais un endroit où je suis pas allé. Ok, c'est bon. Je vais voir ce qu'il faut là-bas. J'espère. Mais je suis nul. Oh non! Quoi? Saleté. Tout ça, c'est de la faute des chauves-souris. Cet ennemi de Satan. Pas faux que si tu donnes un coup d'épée, tu annules le recoil de l'épée avec le boomerang et tu peux faire un petit 1-2 assez rapide. Je sais plus où c'était en fait.
crois que je suis dans la mauvaise direction. Je suis quasiment sûr à 90% que je suis dans la mauvaise direction depuis le début. Ah, j'ai échoué. Venez voir un mec se perdre dans des donjons. Oh, ça fait des 2 points de dégâts, ça. Merde. Pas comme si je me perdais dans absolument tous les jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie. Mais quelle pute! Attention, ça va bien, vous? La fin de la semaine, le week-end, tout ça. Il y a des gens qui ont récupéré leur voiture. Il y a des gens qui vont aller boire des bonnes bières. Des gens qui ont chaud. Des gens qui ont moins chaud. Vu l'orage que je me suis tapé. Je suis bien content qu'il ait servi à quelque chose. Il doit être là le wagon que je cherche en fait. Tombe pas. Oula. Non! Bah t'as pas loupé grand chose, tu loupes moi qui tourne en rond. Parce que je suis une grosse merde. Voilà. Sinon, je disais que t'avais récupéré ta voiture. On peut tourner carré, hein. Oh, il est là, le wagon, là. Putain, lâchez-moi, lâchez-moi! Ah! Je me fais bully! Ah, mais... C'est quoi, cette blague? Mais... En vrai, il y a des gens ici qui sont pas mieux. Maintenant, pour vous punir, vous allez avoir le son dégueulasse. Non, non! Oh, saleté, je le savais. Du coup, on va pouvoir recommencer. Yes. Du coup, c'est pas terrible comme expérience, mais tu vas quand même réussir à... Mais pute! En plus... Bon, vas-y, tue-moi, parce que là, c'est de la merde. On commence déjà mal, alors on va pas aller plus loin. Je disais donc, tu as quand même récupéré ta voiture, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est cassé! Attends, mais je peux plus sortir! J'ai tout niqué! Attends, mais j'ai tout niqué là, parce que... Va falloir que je quitte. Le... Faut que je réinitialise la position du... La Garen qui a conseillé. Faut que je quitte, faut que je réinitialise la position du wagon. J'ai fait là. Pourquoi ça a demandé la langue? Du coup, là, si la position. Alors. Est-ce que ça reset à la position de. Au donjon quand j'ai tué le mini-boss?
ou à la position initiale du donjon. Ok, donc c'est la position initiale du donjon. J'en ai marre des pics. Ouais, vas-y. Bah ça va, je veux juste réussir à aller où je veux dans ce putain de donjon. Merde. Pitié. J'en ai marre de ces crânes qui flottent là. Parce que c'est pas comme si le boomerang c'était la meilleure arme du monde, niveau précision. Et qu'il y avait que ça qui pouvait les toucher. Comment ça va? Fais des trucs sympas au boulot. Et je m'en fous, j'ai plus le bouclier déjà alors. Voilà, du coup ça avait reset la position du wagon. Du coup, je vais pouvoir aller là-bas. Voilà, on avance enfin. Ça a mis que 45 minutes. Pop, pop, pop. Poup, ça veut dire qu'il y a un truc dans l'eau. Non. Bon, ça veut dire qu'il y a un escalier sous un pot. Non. Ça veut dire qu'il faut que je tue toutes les bestioles. À la bombe. Ça fait pas de dégâts en plus, ces créatures. Voici la clé. On avance. Lentement. Oh non! Astuce 143. Du mec qui a la flemme. Moi aussi, le boulot s'écoule en ce moment. Les collègues étant absents, je vais leur travailler d'avoir été aussi à jour. Le comptable moderne. C'est pas ça. Nouvelle série. Sur Twitch, le dimanche matin, entre 7h et 8h. Il y a peut-être du loot. J'ai jamais compris. Est-ce que quelqu'un a déjà vraiment utilisé, genre, les graines odorantes, là? Parce que c'est vraiment de la merde, ça sert vraiment à rien. Déjà que les graines mystères, l'utilité est vraiment contestable. Mais alors, les graines parfum. Il y a vraiment déjà quelqu'un qui s'est dit je vais attirer les ennemis. J'attire les ennemis. Ça marche même pas! Alors que leur rouler dessus en minecart, ça marche. Si, mais je sais plus quand il faut l'utiliser. Oui, mais c'est pour l'histoire, quoi. Genre, en vrai, dans la vraie vie, personne s'en sert. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre des graines Pégase. Ouah, la chauve-souris de mes couilles. Utilise des graines parfum pour attirer les morts vivants de son nez. Mais je m'en fous, c'est écrit attire les ennemis. Et qui a dit que c'était des morts-vivants? C'est pas parce que c'est un squelette que c'est un mort-vivant. C'est raciste. Alors. Bon, on va envoyer des graines parfum pour la peine. Ça sert qu'à ça en fait. Bah yes, c'était intéressant. Par contre, maintenant, on peut brûler des gens beaucoup plus facilement. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, on fait paf.
Et maintenant, on peut devenir un pyromane. Et ça... Ça a une plus-value énorme. Et là, on fait paf. Ça, c'est bien. Oh, ouah. Yeah. Graine parfum plus bombe ou attaque circulaire, c'est prêt à ouvrir. Ouais. Oups. J'ai 3 graines. Ah, mais putain, c'est tellement chiant quand tu vas trop vite ou pas assez vite. Oh, mais il me faut une clé. Les bandes de fils de pute. Le mec est beaucoup trop vénère. Regardez un mec qui ne sait pas jouer. Je dis pas que j'ai encore niqué une clé pour rien. Et qu'il va pas me falloir encore une autre clé. Bon, il me faut tout le temps des clés. C'est le donjon des clés en fait. Où est le maître des clés? Oh. Mais maintenant je peux les brûler. Est-ce que ça marche? Oh, ça fait que un. Oh. Est-ce qu'en étant assez rapide, tu peux en mettre deux? Bon, je crois que ça leur fait pas du tout de dégâts en fait. Ouais, putain, mais. Vous me faites chier. Ça va, au moins tu joues à des jeux intéressants pour les spectateurs. Je connais quelqu'un, c'est encore pire niveau contenu du... C'est peut-être des jeux intéressants, mais quand on sait pas jouer, ça le invite moins. Et... il me faut encore des clés. J'ai encore plus de clés. Ah non, c'est ouvert. Y'a quoi alors? Ah mais si, c'est bon, ici je peux passer maintenant. Ah ah ah. On avance, laborieusement, mais... Oh mais, niquez-vous. Oh, poisson de ta gueule. Mais comme ils sont méchants. Mais qui... Pourquoi je suis ami avec des gens comme ça, quoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi le monde m'en veut? Putain, mais moi je suis con aussi. Oh là là! Quel donjon de merde! Pourquoi tu ranges ton épée après avoir touché quelqu'un de... C'est efficace comme tactique. Le chat qu'on mérite. Bah... Alors... Pour le coup... Pour le coup, c'est de l'autoburn aussi. C'est toi qui m'as tout appris sur la méchanceté gratuite en plus. Mais c'est la base. C'était une grande salle pour pas grand chose. Il y avait pas une... Non. Bah bah bah. Il va falloir sauter un moment. Ah non. Oh, il me veut les clés du boss. J'en étais sûr. Ah.
Oh, sérieux ? Il me faut la clé du boss, et pour avoir la clé du boss, il me faut donc une autre clé normale. Qui est je ne sais où. Est-ce que je suis assez rapide ? Olé ! Ah ! Mais... Eh, plus ! Dans le bus. Mais non, ça me dit que c'est en haut. C'est en haut de là que ça se passe. Ah, mais... Dégagez. Dégagez, je vous ai dit. Ah, elle est là, la clé, mais putain. Ah, non. Je sais où elle est, la clé. J'en ai marre de ces wagons. Tue-moi. Faut que je retourne au début du donjon. Me font chier ces crânes de mort. De quoi déjà, Bululup? Toi, tu me donnes un cœur là. Ça, j'avais tellement besoin de gagner tes gaz. Je te fais retourner au début du donjon, j'espère. Ben oui, je sais. Bah, c'était plus rapide de mourir en fait. Mais non, c'est pas là. Ah. Faut vraiment que j'aille au marchand par contre. J'espère que je vais dans la bonne direction parce que là... Je vois la pièce où je veux aller. Mais oui, c'est là. Et putain... Ouvre-moi. C'est là. Non, mais... Ah ! Voilà. Meurs. Faut y arriver, faut y arriver. Ça prend énormément de temps par rapport à la durée... normal. On va le faire. On va y arriver.
Pourquoi le donjon il est reset? Ah mais il est reset quand je meurs. Eh ben oui. Chachimble le chèque. Oups. Quel menu... Le menuing de pro. Attends, mais là je reviens. Si? Non. Je vais où? Je suis perdu. Chef! Parce que là j'ai toujours pas la clé du boss. Bah non. Bah j'ai juste une clé normale. Ça à l'autre. Bon, l'autre. Ça va être dans la salle... La salle graine. Je me comprends. C'est le plus important dans la vie. Oui. Il est beau. C'est vrai que c'est un bel avanceur, hein. Je suis plutôt satisfait. Ouh, ça va être clutch. Je voulais vous voir, j'ai des clés. Faudrait que je mette des anneaux ici, donc. Il me manque un quart de cœur. C'était ici qu'il fallait une clé. Est-ce que je peux y arriver sans ces putains de graines de Pégase merde là? Non mais... Mais pute! Ça ne fait plus aucun sens. Il ne fait plus aucun sens, il a de la bave sur le coin de la bouche. Même pas, c'est ça qui est triste dans l'histoire. Ou alors c'est peut-être la raison. Il n'a pas vu. Sobre, il se rend compte que c'est une grosse merde. C'est planqué dans l'œil. Je m'en fous. Je veux la clé. File la clé. Et maintenant c'est bon, je peux mourir comme une grosse merde. Ça dérange pas. Ça va être les... Oh! Est-ce qu'ils peuvent donner des cœurs Ils donnent pas de cœur. Ah, oh, ils donnent des bombes. Et une bombe, c'est pas un cœur.
Non. Les chauves-souris qui m'ont même pas donné de... Oula, 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 oula. Chaque chose en son temps. Malheureusement que c'est le donjon le plus laborieux que j'ai jamais fait de ma vie. C'est vraiment pathétique. Ah, puis encore ces petits connards là. Quoi? Mais je sautais. Le sprite il est en l'air. La vie. Cette salope. Oh là là, tu sais que ce sera dans la VOD tout ça, hein. Tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Et ce con! Mais c'est fou! Là c'est pareil, j'étais en l'air. Il y a des choses bizarres dans ce jeu. Bon ça, en soi je suis pas mort très loin. Non mais... Ah! Je me fais aggro, il m'attendait sur le quai. Tombe. Yes. Du coup je suis libre maintenant. Mais tu l'étais déjà avant. Voyons. Tu as toujours été libre. La liberté est un état d'esprit. Aïe. Tu t'imposais les limitations et les barrières. Quoi c'est devenu dans ce coup la psychologie. Mais c'est vrai, du coup je recorde plus via Streamlabs vu que j'upload directement. Du coup je peux pas dire ça fait combien de temps que je galère sur ce donjon. Des gestes barrières. Ah, ah. Y avait pas les cœurs avant? Non. Oula. 57 minutes. Bah voilà, j'aurais mis une heure à faire un donjon de Zelda sur le Game Boy. On est là, hein. Alors, à tous les coups, ça va jouer du lance-flamme. Du lance-flamme. Bah oui, la violence. Oula. Ah, il faut shooter dans l'œil là. What? Tu vas manger en stream? Alors je vais couper quand je mange. Parce que voilà. Et j'ai commencé le stream sur son donjon, oui. Hein? Je comprends pas. C'est quoi, hein? Non. Il y a obligatoirement un truc avec le lance-pierre, c'est obligé. Vers quelle heure, histoire que je fasse. Alors. Vers une heure qui me semblera adéquat. Tape dans l'œil. Bah oui, mais je veux bien, mais sauf qu'il a sa. Sa. Il a sa pince devant en fait. En fait, si je le regarde, il me. Si je le regarde, il ferme l'œil en fait. Faut que je sois de dos. Ah! Ouh! Ça joue du timing. Non, mais. C'est Zelda!
Zelda, j'ai eu le lance-graine dans le donjon, il faut tuer le boss avec le lance-graine. C'est la base. En fait, faut que je lui tourne le dos pour qu'il se rapproche et au moment où il va jump. Oh, il est chaud le timing. Raikki! Raikki, viens ici! On aura essayé, hein. T'es nul, Raikki. J'ai tout ouvert pourtant, à ses tours, hein. Bon, il va la crever. Oups. Oups. Quoi? Mais pourquoi il prend plus de dégâts là? Ah, j'ai plus de graines. Merde. On va... le cramer. On va lui cramer sa gueule. Ouais. On a fait tout le donjon. Ouais. Vous obtenez la pluie apaisante. En deux mots bien distincts. La pluie une essence de la nature, arrosée par la pluie apaisante, les petits arbres poussent vite. Oui. Putain, merde. On a arraché mon câble. First try. La meilleure en cas de canicule. Ouais, ça va. Surenlevé, c'est la fraîcheur est revenue. Je grandis grâce à la pluie, j'ai une autre vision, j'ai vu un lac en forme de monocle. Mais... un lac en forme de monocle, ça s'appelle un lac en fait, parce que tous les lacs ont une forme de monocle en fait. Est-ce que c'est un rond? Mais voilà, un lac rond. Bah mince alors, la vache. Merci arbre de merde. On va aller au village. Parler au marchand. Oh mais non, là c'est de la merde. Parce que là, les trois quarts de la carte, je peux pas y accéder. Donc ça sert à rien de choper la sorcière. La vibe mojo de l'arbre mojo. Mais non, c'est pas l'arbre mojo. C'est l'arbre bojo. C'est sa cousine. Et le pire, c'est vrai, c'est l'arbre bojo. Ou alors c'est la traduction qui est aux fraises. Hein. C'est possible aussi. L'anneau joie vert. Double minerai trouvé. Ouais. Waouh. Bah, je veux bien la liste. J'ai quoi? Anneau amitié. Ouais. Ça, c'est quoi? Je me rappelle plus. Ça, c'est l'anneau. Aucun dégât par feu Zora. Bon, on va mettre ça. Et j'ai pas grand chose d'autre. Anneau joie vert, double les minerais trouvés. Donc, ça, c'est Cercassu Grosia.
Du coup, on va mettre celui-là. Hein. Jamais vraiment fait la chasse aux anneaux. De l'amitié. Mais ils vendent pas des genres des... Ou alors c'est pas le bon shop, mais... Les extensions de sacoche, de bombes et tout ça là. Merci, je vais pouvoir l'amener chez le docteur. Ah oui, bah d'accord, ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé. Il a dit il était au nord, le lac Monocle, là. Tu peux pas aller en... Ah, c'est ça, c'est le backstore. Non, parce que j'ai pas le pass, là. J'ai pas le... Le Youhou Pass. Le VIP, voilà. Ah, faut passer par la cheminée en hiver. Eh bah, faisons ça. On va évaluer vite fait ce... Nouvel anneau. Pourquoi j'ai pas replanté direct? J'ai planté des graines dans des coins. Hein. Je sais même pas, j'ai jamais y repassé. C'est quoi? L'anneau a plongé sans respirer. C'est ce type d'anneau. Je vais le... Ah! Ouh! C'est pratique ça! Ça veut dire qu'on peut plonger forever and ever? Nice! Je l'ai pas mis. Putain, c'est vrai que j'ai géré cette boîte de merde. On va faire ça, voilà. Ça s'appelle couler. Ça s'appelle se noyer, en fait. Tu as obtenu le pouvoir de la noyade. Et où la souche? Putain, mais... Parce que ça, c'est considéré comme une autre région. Lol. Les pires reprises. J'ai pas l'automne. J'ai pas l'automne. Oh. Ah non, bah tu me dis de la merde, on peut pas accéder par la cheminée. Il me disait des bêtises depuis le début. Du coup, faut que j'aille où? Je ne sais pas où il faut aller. Ah. Oups. Trompette Botin. Bon, elle est là. Je peux pas aller au nord du marabout. Merde. J'arrête pas de me tromper de touche. Bleu. Maintenant que j'ai les palmes. Ah, ou alors faut que j'aille voir les cochons. Ah non, ouais, c'est pas. Faut pas que j'aille voir les cochons de combat là à côté de la ville engloutie. Je vais pas aller voir eux. C'est quand qu'on va aller voir eux?
Ah, voilà. Ah bah il est plus là, hein. Non, mais c'est pas là. C'est là qu'on va lui relancer les bombes. Faut rentrer dans son château. Je ne te laisserai pas faire, cette fois la victoire est mienne! C'est ce qu'on va voir, amène ton gras! Merde, oups. Ah! Je ne pourrais pas me battre comme ça. Je ne peux être vaincu tant que je ne lâche pas ma bombe derrière moi et que le feu s'allume. Oula. Ouh, c'était très dangereux ça. Quand ce gosse peut me battre, je m'en souviendrai. Je ferai ma revanche. Et je vais juste avoir un sac de bombes plus gros. Oh non! Ouais! Ah. Oui, du coup, ça a pas du tout avancé l'histoire. Mais après, je crois qu'il est. Il est dans la pièce que j'ai checké juste avant. Où il y avait rien dedans. Et genre, il boude. Il est là, je crois. Mon nom serait en ruine. Un quart de cœur ou une demi-pinte, ça dépend. Et donc là, on pourrait ne pas le faire chier. Et le mec, il fait ses bombes tranquille. Ou alors, on fait ça. Touch douchebag. Je vais checker s'il y avait rien. Voilà. Et donc là on revient. Et il a pas encore reconstruit. Parce qu'il faut qu'on change de zone. Oh merde. Oups. Ouais, je vais pas descendre. Et là. Ah bah non, il a pas reconstruit. Je sais qu'après il a reconstruit et qu'elle est toute pétée, sa baraque. Bref. Où est-ce qu'il faut que j'aille en fait? Parce que le lac monocle là, il a dit que c'était où déjà? Ah, mais je peux y aller là, ici maintenant. Tiens. Parfait, je peux me concentrer. Tiens, Ah, oh, le cocotélex. On a commencé la fetch quest. Faut aller voir la meuf là, le. Oh, elle est où? Waouh! 20 rubis! Je me sens tout de suite beaucoup plus riche. Sinon, pour répondre à quand est-ce que je vais faire une pause, je pense qu'à 20h, je vais commander quelque chose. Après, le temps que ça arrive et tout ça, chut, ne dis rien. Oh, je vais être max. Ah, mais. Ouh.
Et sinon, entre le quart de cœur et la demi-pinte, bah en fait, un quart de cœur dans la vraie vie de nous, c'est pas très utile. Je lance une bombe dans ta maison et je te regarde dans les yeux. Exactement. Ah, elle est par où, la fermière? Madame la fermière. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Je croyais que vous étiez dans le coin. Avec vos cocottes. Mais je me suis visiblement trompé. Elle était pas par là. Bonjour madame la fée. Vous rendez de la Kézak? Où elle est, l'infirmière? L'infirmière, ça a commencé en fermière et ça s'est barré en n'importe quoi assez rapidement. Où est-ce qu'elle est? Tu vas applaudir les fermières. Les fermières, bah maintenant ça ne veut plus rien dire. Ça veut vraiment plus rien dire. J'ai vu un lac. Bah ok, va te faire foutre. Très bien. J'ai vu un lac. Eh bien, j'en suis fort aise. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que... Hutte des oiseaux, c'est tout. Plaine. Villa de madame... Elle est là, la gymnase. Le ménestrel, c'est pas un clin d'œil à Joe Satriani? Alors là, vous me posez beaucoup de questions, monsieur. Refuge, Jimpa. Maison du biologiste. Maison de Bipin. Et Blossom. Là, c'est la villa de l'autre. Maison du gardien des vannes. Yes. C'est le mec qui est super marrant. Maison de Holly. C'est... Non, elle, c'est celle qui nous donne la pelle. Maison de Talon et Malon. Alors là, putain. C'est peut-être là, du coup. Je crois que c'est là. C'est possible. Parce que c'est pas son mec qui est parti et puis la galère avec l'épaule. On va aller voir ça. J'ai pas replanté de graines chez le maire, d'ailleurs. Eh oui, je suis immunisé au feu Zora. Yes. C'est vrai. Juste là au-dessus? Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Talon, mon papa... Ah non, c'est le père. Mon cocotte, il faut que je m'occupe... Les cocottes, mais j'y connais rien, moi. Quoi? On dirait un cocotte de Dex. Sans me donner beaucoup. Tu me le donnes? Vraiment, merci, prince, c'est un œuf, long. Il faut un carton chez les filles. C'est trop dans le vent. Alors, si c'est trop dans le vent, je pense qu'il faut aller voir la villa de Madame Petzouf, là. Qui est... là. Est-ce qu'il y a un arbre à téléportation? Il y a un arbre à téléportation juste à côté. Bah écoute, hein. Moi je juge pas, hein. On reste ouvert, hein.
madame Brozouf. C'est vous qui voulez un œuf ? Il fait chaud, ma piscine ne suffit pas à me rafraîchir. Il me faut un truc frais pour me donner les frissons dans le dos. Ah bah c'est pas elle du coup. Est-ce que je suis nul et je regarde où est-ce qu'il faut apporter l'œuf ? Ou parce que là, je me rappelle plus. Hein. Comment ça se passe ? Ou je demande une assiste sur le chat. Comme ça, c'est le chat qui me dit où est-ce qu'il faut que j'aille la porter. Et puis, j'ai rien à me reprocher comme ça. L'omelette. Hein ? Mais non, bah, elle a dit que c'est un objet de mode. Bon, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils disent ? Œuf lon lon pour les filles qui assurent. Bah elles assurent en tout cas. Bon. Où est-ce qu'il faut que j'apporte l'œuf lon lon ? Fetch. Que la season. Une sportive. On sait rien, on verra avec qui on l'apporte. Le Lon Lon Egg. Maple, oh c'est chez les pirates. Non, alors faut la sorcière. Ah ok. Ok, donc c'est à la sorcière qu'il faut donner l'œuf. Et je vois qu'il y a une page sur le wiki dédiée à cet œuf. Ils disent rien du tout. Mais du coup c'est con, c'est si tu triggers la sorcière. Et après... Ah, je suis en train de me spoiler. Tu triggers la sorcière et après tu cours pour ramasser ton œuf. Et du coup, tu casses tout. Ok, donc maintenant on sait. On sait qu'il faut dire bonjour à la sorcière. Mais ça ne me dit pas où je dois me rendre. Dieu. Mais qu'essayez-vous de dire, monsieur ? Là, c'est le désert avec les pirates. Je le sais de source sûre. Mon dieu, ce bruit. C'est quoi ça ? Boutique de potions de syrup. Là, c'est un donjon. Mais on peut y aller à midi. Syrup, je croyais que. On pouvait y aller que. Beaucoup plus tard dans le jeu. Parce que là, c'est encore pire que dans le donjon, parce que là, on fait rien. Là, on avance vraiment pas. Heureux. Ah, ça a brûlé dans le four. Ah, voilà, il a reconstruit. Encore combien de bombes pour reconstruire notre entre après ce qui s'est passé, j'ai perdu espoir. Ah. Bien sûr, passer ces épreuves. Du coup, je sais à qui il faut donner l'œuf.
sais. Alors, parce que elle, là, je l'enverrai au mon cocotte chercher les champignons, mais elle n'est pas revenue, je ne peux pas faire de potion. Voilà, le truc c'est qu'à un moment, du moment que dans la fetch quest, on n'a pas récupéré le champignon pour lui donner. Ou alors c'est après qu'on lui donne l'œuf Lon-Lon là. Ça me dit pas où est-ce qu'il faut que j'aille, où est-ce qu'il faut que j'aille. Je suis un petit peu paumé. J'espère bien réussir à continuer, mais franchement c'est pas sûr, parce que là je tourne rond. Marais boueux, arène de Bléno. Ah, ok. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je suis perdu. Je suis un petit peu perdu. Et un petit peu, ce n'est qu'un euphémisme. Nageons vers notre salut, bonjour. Bonjour. Sol, temps, soleil, pluie, chaleur, j'attends celui qui connaît ses essences. Hein, quoi? Sol, temps, soleil, pluie, chaleur, j'attends celui qui connaît ses essences. Ok. Bah, c'est dommage, il en manque une du coup. C'est ballot. Je savais même pas qu'il y avait un Gus ici. Il est noté comment sur la carte? Il est pas noté sur la carte. Ah. Tu as refait son jardin pour la peine. Avec ses problèmes de dos, ça doit être dur. Marais... Oui, mais c'est toujours le marais. Ouais, tu me diras, à côté des marais, il y a des lacs, mais... Ou s'il y a un lac, il y a un marais. Un anneau. Un anal, des anneaux. Bien évidemment. C'est dommage donc. Là ici il faut l'automne, il me semble. Et l'automne. Bah non, je suis en automne. Du coup il faut le printemps. Vraiment paumé. Aïe. Je reviendrai ce soir, je vais faire un petit jeu. Ah, très bien. Bonne soirée. En plus avec une glace. Attends, je vais essayer de trouver où est-ce qu'il faut que j'aille. Et c'est pas gagné. Thank you.
Ah, mais... Oh. Voilà. J'aimerais bien pouvoir me mouvoir. Mais il me faut Ah non, il disparaît le dinosaure. Non, ah oui, je peux remonter dans les montagnes comme ça. Et on revient dans la montagne. Et j'ai pas de bouclier, du coup lui, je peux rien en faire. J'ai une graine en bas à gauche. Là, c'est chez les gourons. Au nord, c'était les gourons. Les hommes. Je sais pas du tout les paroles en fait. Mais merde! Où est-ce qu'il faut que j'aille? On va pas rester bloqué comme ça, maintenant on a internet. Où est-ce qu'il faut que j'aille après le donjon 4, moi, dans tout ça? Lac Monocle. Alors, à la sortie du donjon, l'arbre au jeu évoque un lac en forme de molard. Tu les boules avec un village au rond. Et sortez par l'entraîneur. Ok. Oh bah j'ai juste loupé ça. J'étais pas si loin. C'est bon. La solution s'offre à nous. Grâce à notre magnifique sens de la déduction. Et on est en intérieur. Tant qu'on est là. L'anneau octo, transformation Noctorok. What? L'anneau Wisp protège des malédictions. Je peux me transformer en Noctorok. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mais non, 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 non. Protège les malédictions, je sais pas ce que c'est, mais... Anneau Octo.
Why not, hein? C'est ça, hein, le Feuzora. Hein. Ouais, ça doit être ça. Donc allons voir Madame Impo. Voilà, qu'en forme de monocle, je crois que c'est vers l'est. Fais attention à toi. Alors... on fait quoi? Moi je dis, on va par là. Et puis on voit par où ça nous mène, quoi. Heureusement que je suis déjà passé par là, je sais pas pourquoi. C'est vraiment la bonne direction. Je crois pas. J'ai pas beaucoup lu, j'ai juste lu faut aller voir Impa. Et c'est tout. Voilà, faut aller là et après faut remonter au nord. Il va me falloir l'automne. C'est où? Ah, c'est là. Ok. Ah, ça... ah, j'ai plus de graines. Ah bah dis donc. J'y suis allé par là tout à l'heure. Nom d'une pipe en bois. Allez, une fois à l'est, deux fois au nord, une nouvelle fois à l'est et une fois au sud. Une fois à l'est, deux fois au nord, une fois à l'est, une fois au sud. Ah, c'est là qu'il faut aller. Oh, je vois. Je vois. Je vois. C'est là qu'il faut aller, et là on saute. Il faut aller à Subrosia, mais j'ai juste envie de savoir ce qu'il y a par là. Ok. Boop. Tout le monde veut ramasser des rocs dans le temple au nord. Il y a un roc de belle taille près du temple. Fond, 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 c'est forge. Ok, est-ce que c'est eux qui vont faire de la lave? Je suis en train de prendre à mélanger deux types de minerais. Est-ce que c'est eux qui vont me faire le gant? Et on va mettre notre anneau double les minerais que j'ai retiré. Lui, il aime les panneaux. 18, une super avantage, dit que merveilleuse pas en carte. Est-ce que j'ai des poker? Non, bien sûr, les autres si jolis joueurs qu'on est d'accord. Ok. Là, il y a un trou. Là, il y a un trou aussi. Ça fait beaucoup de trucs. Pam pam pam.
Va pas y avoir une... une grotte secrète ici quand même. Ce serait indécent. Well. J'ai failli glisser, chef. On peut tricher comme ça. C'est un choupetteur à manier avec précaution. D'accord. Aïe. Et que fais-je donc de ce chouchou? On va aller à gauche. Forge. Qu'est-ce que j'imagine? Bon, on va retourner au forge. Hein. Mais je suis sûr que là, ils me font le... le gant. Le gant magnétique. Il ne peut y avoir d'autre solution. Je suis en train de faire un mélange de... Et si je regarde là-dedans? Non. Je vais ici. Ah, je vais péter les pancartes. On va tout casser. Ah, ou alors il faut que je pète une pancarte. Où est-ce que je peux casser une pancarte? De quoi ce chou là? Faut que j'aille là. Aïe. Aïe. Ah mais non, il faut que j'aille au temple. Ouh là là, même avec la solution, j'arrive à me perdre, c'est fou. Non, coup, je sais plus. Là, c'est fait. Là, voilà. Merde. C'est un choupetteur. C'est génial, nous en avons plein, merci à toi. Si tu as besoin de minerais fondus, viens aux forges. Ah, c'est bien avec le bon truc strident. Pourquoi tu me redonnes ma vie en même temps? Je suis l'esprit de l'automne, mon heure est venue. L'automne n'est pas triste, les trous sont remplis de feuilles et les champignons sont mûrs. Quand les ténèbres tomberont sur Hyrule, il reviendra. Es-tu ce héros?
Alors je vais te donner le pouvoir de l'octogone. Le sceptre des saisons a été béni par la brise de l'automne. Le sceptre de saison a le pouvoir des quatre saisons. Il a le pouvoir de la pizza. Dean et tout le drum compte sur toi. Ça fait quoi si je retourne au forum? Mourons. C'est le meilleur moyen de regagner sa vie. Peut-être pas ça dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, ça marche pas. Ah. Et bah, on va aller jusqu'au temple. Et putain, c'est pas le bon bout. Ça va être bon pour là. Non, au milieu c'était le sceptre qu'on nous donnait, je crois. Oui, sans doute. Le Grand Pégoraz. Putain, mais je... Faut que j'apprenne les touches de ma manette. En même temps, les objets que je mets sur les touches changent environ toutes les deux secondes. Comment voulez-vous construire n'importe quelle muscle memory, quoi? Nous a aidé, tu peux venir d'une mine de minerai fondu. Mais je reviendrai quand j'aurai du minerai fondu. Ou à fondre plutôt. Parce que si je viens déjà avec du minerai fondu. Voilà l'automne. Ouais, cette couleur de champignon. Ils arrachent la rétine. Bienvenue dans les grottes licornes. Et on se dit pour le moment à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Et voilà. Et manger, c'est bien. Du coup, à tout à l'heure, sans doute.